avons choisi de faire du vélo pour se balader ou pour se déplacer, c'est vraiment parfait pour entretenir sa forme. Mais on peut aller un petit peu plus loin, pourquoi pas en rajoutant une fois par semaine une routine en piscine. Alors pas forcément besoin d'y aller vraiment très longtemps, une demi-heure, ça peut être très efficace même une fois par semaine, à condition de choisir le bon entraînement. Et pour ça, on va aller prendre les conseils du meilleur entraîneur du monde. Alors voilà, on se retrouve directement sur le bassin avec Romain Barnier, l'entraîneur de Florent Manaudou. Donc Romain, est-ce que tu pourrais nous donner une idée de séance rapide, hyper efficace en natation pour rester en forme? Alors pour faire le plus d'efficacité possible, je vais te proposer une technique qui est celle de compter ses coups de bras et d'en faire le moins possible pour faire une longueur de bassin. Tu vas voir, ça va engager tout ton corps, les bras, les lombaires, les abdos, les jambes, et tu vas voir, même sans avoir besoin de nager très vite, ça va être très engageant. Donc comment est-ce qu'on construit la séance? 5 minutes d'échauffement, 20 minutes ton corps de séance, en répétant des 25 mètres ou des 50 mètres avec le moins de coups de bras possible, en essayant de les faire diminuer. Et puis bien évidemment 3 minutes de mise au calme à la fin, en récupération, mais au milieu de l'exigence. Allez, on y va. Vous commencez par enfiler votre matériel. Okay. Ouais. Florent, tu mets tes plaquettes. Ouais. Okay. Lucille, tu mets tes palmes et tes plaquettes pour te donner quand même une chance contre Florent. Moi, tu mets les palmes aussi de temps en temps. Je... Ouais, mais j'ai déjà des grands pieds, je peux bien. Ouais, d'accord, c'est ça. Vous faites un 25 mètres. Tu vas essayer de faire le moins de coups de bras possible sur ce 25 mètres. Tu vas compter tes coups de bras et on va voir le chiffre que ça donne. Et Florent va faire la même chose que toi. Normalement, il en fera moins que toi. À nouveau. Un peu plus cette fois. La fatigue déjà. L'idée c'est quoi? C'est vraiment d'étirer le plus possible. L'idée c'est d'avoir le plus de jambes possible, de travailler tes abdos, de travailler aussi tout ce qui se passe au milieu, ton gainage. D'accord. Tu l'as presque bien fait, je te vois un petit peu à des moments tricher à l'arrière, t'arrêter pour gagner un demi-mouvement. Sans arrêt, tu dois chercher juste à être plus efficace au niveau des abdos et au niveau des jambes. Ouais, okay. On va y retourner une fois de plus, tu vas voir si tu arrives à corriger ça. Ok, ça marche. On refait. Ça fait maintenant un moment qu'on fait ça, on va enlever les palmes. Ouais. Et ensuite tu vas mettre le pull boy. Tu vas voir, ça rajoute de la stabilité, mais il va falloir que tu restes bien placé. Tu ne te sers plus de tes jambes et tu essaies de faire exactement la même chose avec tes bras sans tes jambes. C'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus exigeant, okay. Beaucoup moins cardio, mais beaucoup plus musculaire. Okay. Là tu vas faire combien de mouvements toi? Tout à l'heure j'ai fait 5, 4, 3. 3 mouvements le dernier? Ouais. Ah donc toi aussi tu as fait une bonne longueur alors? Ah, moi je fais une poulet longue. Là, je sais pas, je pense que double. Ne cherche pas à tricher. Tu as senti la différence d'utilisation entre les palmes et le pull boy? Ah ouais, on sent beaucoup. Ça isole beaucoup plus en haut, ouais. C'est beaucoup ce qu'on fait quand on cherche à faire progresser un nageur. Le début était très prometteur pour toi. Pour construire une courte séance de natation complète, nagez le crawl avec le moins de coups de bras possible, mais sans arrêter leur roulement. Alors vous pouvez utiliser un pull boy, des plaquettes et aussi des palmes pour profiter encore mieux de ces exercices. Voilà, en tout cas, un bon entraînement de à peine 30 minutes pour entraîner tout le corps à la piscine et être hyper efficace. À vous de jouer maintenant.